Je m'appelle Céleste. Je m'appelle Angèle. Nous allons nous présenter aujourd'hui à la compote de pommes au baie de goji. On coupe, tiens. Merci beaucoup. Et donc, l'avantage de cette recette, c'est-à-dire que les pommes, c'est super, c'est un super fruit. C'est un fruit facile à digérer, tout plein de vitamines, tout plein de pectines. Alors, pourquoi tu as choisi les baies de goji? D'abord, c'est une belle couleur. Ouais. C'est un super fruit. Je les ai fait tremper auparavant. D'accord. Pour que ça se blende mieux. On va rajouter un peu de jus de citron. Merci. On va mettre un peu d'eau de coco. Alors l'eau de coco est très importante aussi. Ça amène plein de sels minéraux. Les sels minéraux, c'est ce qui nous permet de maintenir l'équilibre acide-base dans notre corps. Donc... Et là maintenant, on envoie le pâté. C'est bien mixé. Là, on n'a pas mis... C'est possible pour les personnes qui aiment beaucoup sucré, hein, qui sont vraiment addictes au sucre, de rajouter un peu de sirop d'agave. Je le mets? Oui, vas-y. Ah ouais, il a une couleur orange. Là, on a fait des parts très généreuses. Oups, merci beaucoup. Pour la déco, on peut mettre plein de super aliments, quoi, pour blinder... Ah, complètement. Par exemple, là, c'est un lamaca. L'amaca, c'est un antioxydant, super pour la santé. Là, j'ai mis un peu de pavot aussi, c'est surtout pour la déco. Oui. Le pollen frais. Alors, le pollen, c'est très enzymatique. Hein. Ouais. Alors, les enzymes, ce sont des enzymes digestives. Ça va améliorer notre qualité de digestion. Donc là, je mets une petite physalis. C'est ce qu'on appelle aussi l'amour en cage. On peut mettre un petit peu de noix de coco. La coco. C'est très enzymatique aussi. Hein. Délicatement, on pose la fleur. Voilà. Donc, les fleurs comestibles, moi j'adore. Ça, c'est une fleur de capucine. C'est très facile à faire pousser. Donc, moi, je pense qu'il faut rajouter une petite touche de bleu. Ça, c'est une petite fleur de bourrache. Et la fleur de bourrache, c'est une fleur qui contient des oméga. Donc, encore un équilibre émotionnel. Et une plus belle peau aussi. Donc, vous avez cette petite compote. Donc, c'est vraiment, ça dure 2 minutes. Enfin, même pas. On l'a fait en 30 secondes. Céleste, ça peut se consommer à n'importe quel moment dans la journée. Le matin, au goûter, le soir. Ça peut même remplacer un repas. Oui, complètement. Et voilà, c'est très facile à faire. On espère que ça vous plaira. À vous.